Comme ça, les gens sont fatigués. Amen. Et il y en a qui sont fatigués ici. Moi, je suis fatigué. Physiquement, je veux dire. Je ne veux pas dire que je suis fatigué de Dieu. Amen. Mais mon corps est fatigué. Amen. Ce n'est pas un péché que d'être fatigué. Alléluia. Et j'ai essayé de dormir cet après-midi. Essayer de rentrer même une heure de sommeil, mais le téléphone sonne. Mais gloire à Dieu, amen. Et là, j'ai voulu avoir un café avant de venir, je n'ai pas réussi. Parce que Marie-Carmel me mettait la pression. Widlin est déjà là, tu dois être là. Fait que j'ai dit, ah, je suis passé tout droit devant le Tim Hortons parce que... Alléluia. Mais le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Je ne sais pas pour vous, le Seigneur est bon. Amen. Nous avons eu un temps extraordinaire. Et alléluia. Nous avons eu au moins 18 personnes remplies du Saint-Esprit cette fin de semaine dans nos différentes églises et à travers la conférence. Et nous avons eu au moins 4 personnes baptisées. Oh, quelle présence du Seigneur dans nos services, c'était tout simplement extraordinaire. C'était tout simplement extraordinaire. Vous savez, il y a des moments où j'étais là, j'espérais juste que les gens qui chantent continuent tout simplement de chanter et que Dieu continue à faire son affaire. Amen. Mais bon, ils ont arrêté. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais le Seigneur est bon. Amen. Et comme cela nous a été dit, avec la révélation vient la responsabilité. Amen. Et après que nous ayons goûté à tout ce que nous avons goûté, ben, nous ne pouvons pas rester inactifs. Nous devons plutôt être agressifs. Nous devons prier plus, nous devons évangéliser plus, nous devons travailler plus pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon. Vous pouvez vous asseoir et